Ça veut dire qu'on peut voir présentement, par exemple, si je veux réduire tout ça, je peux mon point d'accès. Point d'accès. Mobile. Et puis, on a toute la liste des composantes qui sont connectées. Par exemple, mon ESP. Mon Raspberry Pi, puis un ESP32. On peut voir chacun un adresse IP qui lui est spécifique. Un Raspberry Pi, un serveur web avec un PHP MyAdmin qui nous permet de faire du SQL. Donc on est capable de collecter des données. Donc on peut voir les graphiques. En rouge, on peut voir les données qui rentrent, qui sont juste la lecture du RSI BLE. Et en vert, c'est un algorithme qu'on a implémenté qui permet de prendre juste de faire varier le RSI que seulement si on a deux valeurs RSI identiques. Ça veut dire qu'il nous faut deux valeurs rouge pour nous donner un changement en vert. Et on peut voir en bleu la valeur du RSI Wi-Fi. On peut également changer nos spécifications. Donc ça veut dire que notre RSI critique pour le changement de tonalité. Le RSI jaune, c'est la zone d'avertissement. On l'a positionné à 70. Et puis on peut voir les valeurs de notre table SQL, les trois premières valeurs. Et puis la valeur optimale qui s'affiche ici. Tout d'abord, ça, c'est une page d'administrateur. Si on veut consulter la page de l'utilisateur, c'est celle qui va être présentée à l'utilisateur. Voilà, celle-ci. Elle sert uniquement pour but d'indiquer à la personne si elle respecte la distanciation ou pas. Donc, ça veut dire que si on réduit, on rapproche nos éléments, on peut voir que on a d'abord la mise en garde qui s'enclenche. La mise en garde qui s'enclenche. Puis là, si on rapproche encore plus nos engins. Voilà. On a une alerte qui s'affiche.